Voilà. Re. Là, du coup, on est passé sur du Kingdom Hearts Melody of Memories. Un jeu, le jeu de rythme sur l'univers de Kingdom Hearts. Et on va faire 2 heures dessus. Ensuite, ce sera Monster Hunter Rising. Allez, 1 heure de Monster Hunter Rising, il me semble. Ouais, c'est bien ça. Et 1 heure d'Hades. Bon, lui, on va juste tryhard de pierre, enfin tryhard. On va. Je vais continuer mon platine. Donc, bon. Par contre, je vais éviter ouais, les musiques chantées parce que j'ai vu que ces passages-là sautaient au niveau du son sur Twitch. Donc, bon, on va commencer par. Il me semble que. Ouais, je vais faire d'abord tous les morceaux en normal. Je vais d'abord finir l'équipe de Sora, vu qu'il y a un trophée où je dois le mettre au niveau 100. Par contre, ça fait un moment que j'y ai pas joué. Donc si au début je fais des perfs de merde, c'est normal. Genre j'ai réussi à me louper. Bon, c'est pas grave. Toute façon là j'ai. C'est vrai que ce serait mieux que je passe des 100 fautes, mais pour avancer plus vite dans le trophée, mais là je vise plutôt d'abord finir tous les morceaux en normal. Pourquoi t'écris?
Espèce de censureux de... à la noix, là. non, je ne te censure pas, Gigi. C'est juste que... mon stream, mes règles. C'est tout. Et le truc, c'est que dans mes règles... enfin... petit cache-moi, là, ouais. Et le truc, c'est que dans mes règles, il y a... je dois te faire chier un max, en fait. Mon stream, mes règles, mon pinard, mon citisson. Touche pas ce que me recolle. C'est exactement ça, t'as tout compris, Gigi. Putain. Ok, c'était parfaitement ridicule. On recommence. Mais comment j'arrive à louper ça, bordel? Tu aimes mes règles comme ils sont. Oh, ou tu dégages de mon stream XZ. Bah c'est exactement ça. Tu as tout compris. Et tiens d'ailleurs, tant que t'es sur le chat, Gigi, pour ce qu'on avait parlé pour les streams tryhard de jeux musicaux. Apparemment, il y a moyen que sur Twitch ça passe beaucoup mieux, apparemment. Après, à voir si... Putain, je me suis trompé de touche, mais sérieusement. A voir, MDR. Jure, à la fin de ton live, il n'y a pas avec un problème. Non, mais ça, justement, c'est pour ça que je ne fais pas les musiques chantées, parce que je sais que dans Cash Mom, c'est surtout les musiques chantées qui sont... qui sont comme celles, on va dire. J'ai vraiment pu louper ça. Vaut mieux pas présenter le jeu de rythme. Oh. Tu dis ça mais t'aimerais bien. Putain, j'ai vraiment pu rater ça encore.
Après, moi je vais faire. Ouais, pas de soucis, bah, tout du coup, GG. Je me suis raté sur une note. Fais chier. C'est le boss de fa. Celle-là, j'ai pas encore fait.
parce que je ne savais pas que ça allait se déchanter. J'espère que ça va pas me faire sur ce passage. Désolé, je répondais à un truc. Déjà fait. Allez, c'est parti pour The Counter de Birth by Sleep.
Jeff sera la prochaine. Je vais commencer par celle d'Aqua. Je la touche comme un connard. Ouais, après il y a encore Ventus Terra. On va faire un memory dive. Ce sera là du coup Ventus. J'aurais pas mon sur quoi, toi.
maintenant ce tour de terrain. Là c'est une musique de 350, je pense que je dis ce que je vais mettre. Posington Neverland. Je viens de voir quelque chose mais... Qu'est-ce qui m'a... Oula, attends. Qu'est-ce qui me fait je vais aller vers mon tableau de bord sur Twitch 2 secondes. Parce que, désolé, je comprends pas pourquoi. Il y a l'air d'avoir des messages qui sautent. Je comprends pas pourquoi. De stream. Non, c'est juste mon... Apparemment, non, c'est juste mon téléphone qui fait des conneries. Je redémarre le chat sur mon téléphone. Excusez-moi. Voilà. Bref, désolé pour cette pause. Maintenant, c'est la souris qui tombe. Génial.
Après, juste. Masque lecteur, voilà. Comme ça. Ça ne bouffera pas de la cour en plus. Tac. Comment j'ai pu rater ça, c'est honteux. Bon, là c'était particulièrement honteux, la perf que je viens de faire. Mais voilà, c'est pas grave. Juste pour voir un peu qu'est-ce qu'il me reste dans 2, 3, 4, 5. Enfin, celle-là, je dois pas la compter vu que. Ouais. Celle-là, ça m'étonnerait que je doive la compter aussi. Si. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, ok. 11 si on, enfin, si on compte pas les musiques chantées, vu que celles-là je peux pas les faire en stream. Fate of the Unknown. Et une fois bah, tout cela fait, je ferai les. Ou bien le mode défi, on verra. Ou bien les musiques en. En débutant et en difficile. Thank you.
Bon, sur la fin, je me suis royalement foiré. La prochaine sera The Home of the Ravens. La musique qui se joue dans le monde de Mulan dans Kingdom Hearts 2.
Magic and Mystery. Musique de la tour mystérieuse. Hop, et c'est le sans faute. Là, je suis sûr que je peux le faire Sanctuary. Part of New World non plus. Donc ce sera Riku le prochain. Je le démon un peu. Une seule fois sur toute la musique. Parce que j'ai lâché la touche trop tôt.
Là donc on est dans les musiques de Chain of Memories. Et après il me restera plus que les musiques de Kingdom Hearts 3. En tout cas en normal.
Et c'est un sans faute. So. C'est la musique du boss de Fat Cash. Ah.
gérerai tout ça plus tard. Attends, pourquoi il n'a pas bon temps qu'il pourra. C'est la dernière qui me reste là du coup, Destiny Highlord. Oh, standard en tout cas. Bon bah du coup j'ai toutes les musiques en standard, à part celles que je peux pas faire en stream bien sûr. Du coup, je regarde à peu près ce qu'il me reste. Oh, il me reste quand même pas mal en débutant. Bah pareil en difficile, je crois qu'il m'en reste énormément aussi. Il
Lequel je vais faire? Kingdom Hearts The Final Mix. Ah, je l'ai déjà terminé. Other Promise. Awakened. Fate of the Unknown. Bon, par contre, en difficile, je sais pas ce que ça va donner. Je vais aller en mode duel un peu. Vu que c'est nécessaire aussi pour certains trophées que je convoite. Je vais contre l'IA.
le rétrécir un peu plus avant, ça serait bien. Ah oui, j'avais oublié. Ce malus. C'est que je menais sur tout le long et à la fin je me fais dépasser gros. Je suis dégoûté. Après quitte à me prendre le factice, limite que je me le prenne au début, ce serait moins dramatique. Activate.
résultat génial, je me suis encore pris le pire malus à la fin de la game, c'est... Putain quoi... Et là j'ai pris genre le pire combo possible. Cible factice plus jugement sévère. C'est bon. Je gagne de peu, mais je gagne. Ça
il a pris la courbe. Ouais mais en fait avec ce combo de malus je fais comment moi? Si je peux ni voir les ennemis ni les cibles en fait. Je me suis loupé de peu. En vrai, je crois que j'aurais fait des excellents dorés. Enfin, un excellent doré sur les trois derniers. Enfin, sur le coup. Sur les trois derniers qui ont spawn. Et je le battais. Two tricks activated!
C'est bon. Je suis gagnant. Encore une fois, deux fois, mais gagnant. Ce mode là je continuerai plus tard. Je vais retenter Dark Domination, mais en difficile.
Enfin non, j'y arrive pas. Oh putain. Ouais non, là pour l'instant c'est pas envisageable, clairement. Oh. Pourquoi cette alarme elle s'est mise? Faudra que j'aille la désactiver après. Niveau de difficulté 15. Je vais faire un truc tout simple. Hop, classé par difficulté. Et on va les faire par ordre de difficulté, allez. After my city working together. Dans une heure, c'est Monster. Enfin, dans une heure, non. Dans une demi-heure, ce sera du Monster Hunter Rise qu'on va faire. Et un petit sans faute. Bon, en même temps, le sans débutant, donc bon. Ça va, j'ai pas eu trop de mal non plus, quoi. En plus, c'est une des plus faciles en débutant, donc... Working together. Juste, je regarde un truc. Voilà, c'est bon. Thank you.
Illustration numéro 45. Revenir au menu choix. Fate of the Unknown. Darkness of the Unknown. Là du coup, on va avoir un boss. Et il me semble que le boss en question c'est Xenmas. Ouais, c'est bien vu. C'est bien Xenmas. Thank you.
Hop, et c'est un sans faute. Sur le combat de boss. J'ai même failli y avoir un excellent trophée. Donc là, normalement, je vais avoir un trophée. Allô? Normalement, il me semble qu'il y en avait un pour... Ça c'est en standard le son expert, je crois. Je vois tout le morceau. Ah donc j'ai. Ouais, donc j'ai rien dit. Il me semblait pourtant. Bon. Bref. Bon, bah je vais en choisir une dernière qui est là peu importe ce que j'ai déjà fait. Et après ça, bah j'irai. Et je couperai le stream pendant 5. Ouais, entre 2 et 5 minutes pour préparer mon setup pour aller sur Monster Hunter Rise.
Vu que de toute façon, il faudra que je redémarre Streamlabs. Vu que j'ai changé l'HDMI de mon HDPVR. Bon, déjà, je vais pas les classer en. Bah habituellement j'aurais pris The Other Me Promise, mais pas cette fois-ci. Cette fois-ci je sais laquelle je vais prendre. C'est une de Kingdom Hearts 2. Elle est où? Ouais, c'est celle-là. Lazy Afternoon. Je regarde juste si. Ok. Et mais cette fois-ci, je vais la faire avec l'équipe Days. L'équipe de mon Kingdom Hearts préféré. Dès que j'ai préparé mon setup, à tout de suite.